Bonjour à tous, bonjour à tous les fidèles de cette chaîne YouTube. Alors le décor peut apparaître surprenant, on entend un peu les oiseaux derrière, comme c'est le printemps et qu'il fait assez beau, j'ai voulu me mettre dans mon jardin, à côté de mes rosiers, puisque j'ai la chance d'en avoir, pour présenter ce qui me semble être un événement assez important pour cette chaîne de réinformation, c'est-à-dire l'interview de Monsieur Louchai, qui est l'ambassadeur de la République populaire de Chine en France. Alors, vous savez que nous avons commencé il y a maintenant un an avec cette chaîne YouTube. Auparavant, il y avait eu des articles sur Vue du Droit, des articles dans Front Populaire. Et au fur et à mesure, nous était venue l'idée de faire une chaîne YouTube. Alors au départ, c'était du bricolage. Le bricolage a évolué, c'était effectivement un peu plus organisé par la suite. Mais on a bien vu avec le succès que nous rencontrions qu'il fallait passer la vitesse supérieure. Il fallait changer de braquet, comme on dit familièrement. Donc j'ai décidé d'embrayer sur un certain nombre de choses. J'en avais parlé, en particulier sur les grands entretiens que nous souhaitions avoir. Je les avais annoncés sans dire de qui il s'agissait, parce qu'il ne fallait pas insulter l'avenir. Et nous y sommes arrivés, puisque le premier des grands entretiens va avoir lieu aujourd'hui, c'est l'interview de M. Louchai. Alors, tout ce travail, toute la construction de cette petite chaîne de réinformation a été fait avec le concours de Sylvain Ferreira, qui nous a porté son savoir, qui nous a porté son expérience, ses compétences dans le domaine militaire. Il a décidé de quitter le navire, il a décidé d'arrêter, ça a été pour ce qui me concerne assez brutal. Bon, donc c'est son choix, c'est sa décision. Pour ce qui me concerne, il est tout à fait exclu que j'abandonne ce combat de la réinformation. Je vais donc le poursuivre. Et la première étape, c'est cette présentation de l'interview de son Excellence Louchai. Alors, j'ajoute que par la suite, il va se passer pas mal de choses. Il y a d'autres projets qui étaient un petit peu dans les cartons, qui vont sortir des cartons et qui vont prendre un tour opérationnel sur le militaire, évidemment. Il y a des solutions qui seront là pour apporter les compétences nécessaires sur les deux plans, sur le plan des opérations, mais également sur le plan de l'industrie de guerre, qui est une question centrale dans l'affrontement qui se déroule aujourd'hui. Il y aura d'autres choses, des débats, il y aura d'autres types d'informations. Je vous en informerai au fur et à mesure. En attendant, bah écoutez, je vous laisse en compagnie de Monsieur l'ambassadeur. Vous avez noté que le générique était toujours, je veux dire, inspiré par l'actualité. C'était notre actualité et donc il était consacré, celui-là, à la Chine. Bon, et bah écoutez, je vous dis bon visionnage et à très bientôt. Bonjour, chers amis. Comme nous l'avions prévu, comme nous vous l'avions annoncé, voici une interview très importante que nous avons obtenue. Je suis très honoré d'être dans les locaux de l'ambassade de Chine et de lancer cette interview avec M. Louchai, qui est l'ambassadeur de la République populaire de Chine en France. C'est un moment assez important parce que je crois qu'il est utile, sinon très utile, d'entendre la voix de ceux qui sont dans le monde aujourd'hui des acteurs de la plus haute importance. Excellence, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous recevoir, merci de nous accorder cet entretien. Je crois que c'est quelque chose d'important. Le système médiatique français n'est pas toujours rigoureux dans sa façon d'aborder les problèmes du monde, dans la façon parfois de traiter la République populaire de Chine, qui est un immense pays, qui est une immense civilisation. Ça, c'est mon expérience personnelle. Et je vous remercie encore parce que je suis tout à fait honoré que vous nous receviez et que vous acceptiez de parler aux gens qui nous suivent maintenant depuis un certain temps et auprès desquels nous essayons de faire de la réinformation et aussi de leur donner une image du monde plus conforme au réel que présentent parfois les médias français. Alors la première question que je souhaiterais vous poser, tout simple, si vous pouvez nous dire qui vous êtes et un peu quelle a été votre trajectoire diplomatique qui vous a amené à un poste quand même, patriotisme oblige, d'une certaine importance. Oui. Alors, je m'appelle Louchai, ambassadeur de Chine en France depuis juillet
2019, donc ça fait presque 4 ans. Ça m'a plu d'être ambassadeur en France, qui est un grand pays, à cause du général de Gaulle, parce que c'est le général de Gaulle qui a eu une vision stratégique et le courage d'un grand homme d'État de reconnaître la nouvelle Chine, à savoir la République populaire de Chine, dirigée par le Parti communiste chinois en 1964. Alors, cette année, c'est l'année où je suis né. Donc, C'est symbolique. c'est symbolique. Oui. Et j'ai fait mes études universitaires à l'Institut de la diplomatie à Pékin de 1982 à 1987. Et après être diplômé de cet institut, je suis entré au ministère des Affaires étrangères de Chine. Et mon premier poste à l'étranger, c'était la Guinée-Conakry, un pays francophone. C'était en 1988. Et j'ai passé 3 ans dans ce pays-là, qui est aussi un pays très ami de la Chine. La Guinée est le pays subsaharien, le premier pays subsaharien à établir les relations diplomatiques avec la Chine. Après la Guinée-Conakry, je suis rentré dans le pays, retourné au ministère et travaillé au département de l'Afrique. Depuis quoi j'ai fait l'Afrique pendant 10 ans d'affilée au ministère. Et après, j'ai eu l'occasion de travailler pendant une période très courte en France, à l'ambassade de Chine en France, de 2001 à 2003. Et après, je suis rentré en Chine, toujours travailler aux affaires de l'Afrique, au département de l'Afrique. Comme directeur adjoint, directeur général adjoint du département. Et en 2005, la Chine a rétabli les relations diplomatiques avec le Sénégal. Parce qu'avant, à cause du problème de Taïwan, le Sénégal, la Chine a rompu ou bien suspendu les relations diplomatiques avec ce pays-là. Mais en 2005, nos deux pays ont décidé de rétablir les relations, nos relations. Je suis envoyé au Sénégal en tant qu'ambassadeur. J'ai travaillé presque 4 ans là-bas. Et après, je suis rentré comme directeur général du département de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères pendant 4 ans. Donc, je peux dire que j'ai fait l'Afrique pour presque plus de 25 ans. C'est une longue période. On peut dire que cela représente la plupart de ma carrière diplomatique. Et avant de venir en France, j'étais ambassadeur au Canada pendant 2 ans et demi. Et entre-temps, ou bien avant le Canada, j'ai fait encore quelques changements dans le pays. Par exemple, j'ai fait un petit, comment dire, détour à Wuhan, dans une province.
pour travailler dans les affaires intérieures du pays, pour mieux connaître le développement économique, social de mon pays. Ça, je pense que cette expérience est très importante pour moi, pour mieux faire la diplomatie, parce que la diplomatie, c'est le prolongement des affaires intérieures. Donc c'est grosso modo ma carrière diplomatique. Grosso modo, plutôt grosso que modo, si je peux me permettre, Excellence, parce que c'est une carrière importante. Je constate que vous avez été confronté à la francophonie, y compris probablement un peu au Canada aussi. Et puis bon, je partage complètement ce que vous dites concernant la nécessité je veux dire, revenir au pays pour mieux appréhender son développement, pour ensuite emporter l'image à l'étranger. Alors, vous arrivez dans une période qui n'est internationale, mondiale, qui n'est pas facile. Hein. Nous avons une crise, nous avons ce que le président Xi Jinping, sur le perron d'un des palais du Kremlin, disait à Vladimir Poutine. Nous assistons à un changement qui ne s'est pas produit depuis 100 ans, et ce changement, nous allons le conduire ensemble. Et vous êtes ambassadeur d'un des pays de l'Occident qui est membre du G7. C'est effectivement une période qui est un petit peu délicate. On va sûrement en parler. Alors, vous avez accompagné, d'après ce que j'ai compris, le voyage d'Emmanuel Macron en Chine, qui, je pense, a été, du point de vue diplomatique et de ce qu'on en a perçu ici, un succès, au point que Emmanuel Macron, en rentrant dans l'avion, a dit qu'il fallait que l'Union européenne accentue son autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Et il y a eu une campagne de presse en France, je veux dire, des tenants de l'atlantisme, qui a été assez violente contre cette prise de position. Comment est-ce que vous le ressentez, ça? Parce que c'était quelque chose de positif, enfin, moi, je l'ai perçu comme tel, hein, et cette levée de bouclier contre ce que disait Emmanuel Macron, et qui était le fruit du travail qui avait été fait pendant ce voyage. Alors, la Chine est membre du G20 au lieu de G7. Ouais. Et en tant qu'un pays majeur dans le groupe G20, la Chine joue toujours le rôle de promouvoir la coopération internationale. Et cette fois-ci, la visite du président Emmanuel Macron en avril dernier était vraiment un grand succès. Ouais. Au niveau bilatéral, cette visite a renforcé énormément la confiance politique entre les deux pays et a porté le niveau la coopération bilatérale à un nouveau niveau. Les deux pays ont signé plus de 40 accords ou contrats de coopération et nos deux pays ont émis quoi une déclaration commune en 51 points qui à, comment dire, exprimer les points de vue, les consensus, voilà, de nos deux pays sur les différents problèmes dans le monde. Oui. Et la visite du président lui permet de mieux connaître la Chine, parce qu'il a visité non seulement Pékin, la capitale, mais aussi Guangzhou, une ville historique dans le sud du pays et qui est aussi très développée, oui, très moderne au niveau du développement.
L'autre jour, j'ai reçu une délégation de la province du Guangdong, Guangzhou, et son chef-lieu, le chef-lieu de cette province. Donc, j'ai reçu une délégation de la province du Guangdong. Ils m'ont dit que le PIB du Guangdong, comment dire, s'est élevé déjà plus de 500 000 milliards de dollars. Elle peut être rangée dans les top 10 dans le monde, si on la considère comme un État. Donc c'est une province très développée. Et le président Emmanuel Macron a visité Guangzhou. Il a eu quoi, un entretien et un échange très approfondi avec le président Xi Jinping, donc sur tous les sujets qui l'intéressent. Cela l'aide à mieux comprendre la Chine et surtout des problèmes concernant la Chine, y compris le problème de Taïwan et d'autres. Et j'ai suivi le reportage et les médias pour savoir que, à son retour, il a donné des interviews aux journalistes. Il a émis son point de vue sur l'autonomie stratégique de l'Europe, sur la question de Taïwan. Et je pense que il a tout à fait raison d'avoir cette vision, parce que l'autonomie stratégique est dans l'intérêt de l'Europe. L'Europe, si elle veut jouer le rôle d'un pôle puissant dans un monde multipolaire, elle doit être indépendante. Oui. Mais alors, est-ce que il y a eu cette campagne des médias français, des médias atlantistes, disons les choses comme elles sont, qui sont influencés par les États-Unis. Il y a eu ensuite la réunion du G7 avec un communiqué final signé par des pays de l'Union européenne, dont la France, qui m'a semblé, moi, très contradictoire avec ce qu'avaient été les résultats de ce voyage et les déclarations, la déclaration commune, évidemment, et les déclarations d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas eu du côté chinois une déception? Puis j'aurais appris une autre Oui, vérité là-dessus. vous avez utilisé le bon mot, déception. La Chine est vraiment très déçue de cette déclaration commune. Nous sommes même mécontents. Hein. Et le gouvernement chinois a déjà fait des démarches auprès des pays du G7 pour exprimer notre mécontentement et, comment dire, même protestation, parce que dans cette déclaration commune, les pays du G7 ont fait des accusations gratuites vis-à-vis de la Chine sur presque tous les problèmes, que ce soit sur les problèmes de Taïwan, de Hong Kong, du Xizang, ouais, Tibet, du Xinjiang, et même sur la politique économique. Ils ont créé un mot, la coercition économique, pour accuser la Chine. Mais tout ça, ce ne sont pas, comment dire, fondés, n'est-ce pas? Sont irraisonnables. Et nous avons exprimé notre mécontentement. Et je sais que la France a essayé
d'assouplir l'attitude du G7. Mais quand même, cette déclaration commune est tout à fait anti-chinoise. Ouais. Alors, se pose la question du fait de la difficulté qu'a l'Union européenne, qui n'est pas totalement homogène hein, sur un certain nombre de questions. Je pense à la Hongrie, je pense aujourd'hui à la Grèce. C'est relativement récent, mais est-ce que il n'y a pas le problème suivant, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un courant belliciste très fort. Alors contre la Russie, hein, une guerre par procuration. D'ailleurs, on peut penser que c'est une guerre par procuration des deux côtés. Donc il y a une guerre par procuration de l'Occident, procuration par l'Ukraine, et du côté de la Russie, un affrontement avec l'Occident par procuration également de l'Ukraine, qui se retrouve dans une situation assez épouvantable. Ma question, c'est que le courant anti-chinois est fort aux États-Unis, par des déclarations parfois très bellicistes. Est-ce qu'il n'y a pas du côté américain une volonté d'éviter l'autonomie stratégique de l'Europe et de l'Union européenne en particulier pour l'enrôler un peu dans son combat anti-chinois? Est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu? Oui, je pense que maintenant... Les relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis sont vraiment très mauvaises. Ouais. Mais ce n'est pas à cause de la Chine, mais à cause des États-Unis, parce qu'ils ont l'intention de, comment dire, de sauver leur hégémonie. Et ils pensent que c'est la Chine qui lance le défi sur leur hégémonie. En effet, la Chine n'a pas cette intention de défier quiconque. Ce que nous voulons, ce n'est que mieux nous développer, de permettre à notre peuple de passer une meilleure vie. Mais les Américains considèrent toujours que les autres pays... S'ils ne sont plus forts dans tel ou tel domaine, cela constitue un défi pour eux. Donc, dans ce cas-là, ils veulent embrigader ses alliés pour endiguer ou bien contrer ce pays-là. Alors, dans le cas précis, c'est la Chine, maintenant, qui est leur... ennemi ou bien adversaire principal. Et ce que font les États-Unis ces quelques années prouve leur intention stratégique, c'est d'endiguer la Chine. Alors ils pensent que leur propre force ne suffisent pas pour endiguer la Chine. Il faut avoir l'aide, assistance de ses alliés. C'est pourquoi ils ont tout fait pour saboter les relations entre la Chine et l'Europe qui ont eu auparavant de très bonnes relations. Même aujourd'hui, les relations de commerce sino-européenne est à un très bon niveau, et le volume du commerce entre nos deux parties s'élève à 800 milliards de dollars chaque année. Mais selon moi, les États-Unis essaient d'enfoncer un coin dans les relations sino-européennes pour monter la Chine et l'Europe l'une contre l'autre. Donc cela est pour servir l'intérêt des États-Unis. Et avant de saboter les relations sino-européennes, les États-Unis ont déjà réussi à saboter les relations russo
européenne avec cette crise, ce conflit en Ukraine. Tout le monde le voit clairement. Ce qui me préoccupe est qu'en Europe, il y a une partie de personnes qui est, on dit qu'ils sont atlantistes, mais je pense qu'ils sont pro-américains. Ils n'ont pas conscience des intérêts vitaux de l'Europe. Où est l'intérêt vital de l'Europe? Ils n'en ont pas conscience. Ils croient que ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt de l'Europe, mais en réalité, c'est dans l'intérêt des États-Unis et au prix des intérêts de l'Europe. Parce que tout le monde le voit dans ce conflit ukrainien, les Européens, les pays européens ont sacrifié leur propre intérêt pour servir les États-Unis, pour servir la sauvegarde de l'hégémonie américaine. Les pays européens ont coupé l'approvisionnement de l'énergie bon marché de la Russie pour acheter à un prix 4 fois plus élevé le gaz, les pétroles aux États-Unis, n'est-ce pas? Et maintenant, le prix alimentaire en Europe a eu une flambée. Le taux d'inflation, l'année dernière, a atteint 10%. Ouais. Ce sont le prix payé par les pays européens pour servir la stratégie américaine. Vous êtes indulgent, Excellence, avec ceux qui, en Europe, je pense à mon pays en particulier, qui défendent les intérêts des États-Unis avant de défendre les intérêts de leur pays. Quand vous dites qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, je pense qu'un certain nombre se rend très bien compte, hein, qu'ils défendent d'abord et avant tout les intérêts d'un pays étranger. Et en ce qui me concerne, compte tenu de mon rapport à mon pays, je suis un patriote, c'est quelque chose qui me heurte. Alors, justement, sur l'Europe, sur le rôle que la Chine entend jouer, il s'est produit un événement entre le 16 et le 26 mai. Un diplomate chinois de haut rang, je crois que c'est Li Hui, son nom. Li Hui. Li Hui, excusez-moi pour ma prononciation. Ancien ambassadeur voilà. Chinois en Russie. Voilà, qui est allé faire une tournée pour essayer d'expliquer le fameux plan en 9 points qui avait été présenté par le président Xi Jinping. Et donc, quel peut être le bilan? Moi, dans la presse, je n'ai pas vu grand-chose. Quel peut être le bilan de cette tournée, avec cette remarque que j'ai vue que Sergueï Lavrov, qui est donc le ministre des Affaires étrangères russe, a dit pour l'instant, ça ne peut pas avancer. Hein, il était pessimiste, semble-t-il, et je ne sais pas si vous avez des échos des résultats qu'a pu obtenir le représentant chinois. Oui. Alors, cette tournée de l'ambassadeur Li Hui dans plusieurs pays en Europe, y compris la France, a pour but de présenter le plan de paix de la Chine pour promouvoir les pourparlers de paix aux parties prenantes dans ce conflit, y compris la Russie, l'Ukraine et d'autres pays européens tels que la France, l'Allemagne et la Pologne. Je pense que ce sont des pays cruciaux, ou bien des pays cruciaux pour régler ce conflit. Mais effectivement, ce ne sont pas tous les pays qui acceptent la proposition de paix de la Chine.
parce que la situation sur place n'est pas encore favorable. Oui, les combats, la bataille continue maintenant. Et surtout, derrière l'Ukraine, les États-Unis, l'OTAN n'ont pas envie de terminer cette guerre-là. Oui, d'après ce que nous lisons dans les médias, donc les États-Unis, les pays membres de l'OTAN continuent à fournir des armes, même des armes d'offensives et des armes sophistiquées, par exemple des avions de combat F-16. Cela est pour, je pense, escalader ou bien raviver la tension. Ouais. Et bien sûr, les pays occidentaux ont une théorie pour dire que cette guerre a été déclenchée par la Russie. La Russie est un pays agresseur. C'est une invasion. Donc, si on veut la paix, il faut que les troupes de l'armée de la Russie se retirent du territoire de l'Ukraine. Mais de l'autre côté, on dit que cette guerre a été entraînée par l'OTAN, par cinq tours d'expansion de l'OTAN vers l'Est, qui a constitué une menace majeure, une menace stratégique, une menace sécuritaire majeure à l'égard de la Russie. Et on peut voir qu'avec ces cinq tours d'expansion de l'OTAN, l'OTAN a poussé la frontière de la défense vers la Russie de presque 1000 kilomètres. Oui. Donc la Russie se sent menacée par l'OTAN. Donc on peut dire que toutes les parties ont leur propre explication de l'origine de ce conflit. Et d'ailleurs, il y a encore des questions historiques entre la Russie et l'Ukraine. C'est très compliqué. Mais maintenant, si on s'accroche à ces problèmes très compliqués qui ne peuvent pas être réglés d'un simple coup, est-ce qu'on peut arrêter tout d'abord, n'est-ce pas, faire un cessez-le-feu et se retrouver autour de la table pour négocier? Mais maintenant, on peut voir du côté de l'OTAN ou bien des pays occidentaux, ce n'est pas leur avis. Ouais. Ils insistent qu'il faut que la Russie se retire de l'Ukraine pour entamer les négociations. Mais de l'autre côté, du côté russe, c'est l'inverse, c'est le contraire. La Chine n'est pas une partie prenante. Ouais. La guerre continue. Ce n'est pas notre responsabilité. La Chine avance notre proposition de paix, mais on ne peut pas obliger les parties prenantes à accepter notre proposition de paix. Ce que nous faisons, ce n'est que pour faciliter les négociations, pour promouvoir le règlement politique. Alors, Excellence, je vais revenir quelques instants sur la polémique
dont vous avez été l'objet après la déclaration avec le journaliste de LCI. Je l'ai entendu en direct, je me suis dit, excusez-moi de vous le présenter comme ça, mais il a raison. Je suis juriste, j'ai fait du droit international pendant longtemps. Vous avez dit une chose, voilà ce que j'ai compris. Et ceux avec lesquels vous êtes indulgent savaient très bien qu'ils menaient une polémique de mauvaise foi contre vous, parce que ce que vous avez dit, c'est que la dislocation de l'Union soviétique, qui est un événement métahistorique considérable, hein, où on se retrouve avec l'ancien empire des tsars récupéré par les bolcheviks, qui se disloque. Donc, une conférence internationale permettant de définir les frontières respectives, de clarifier, on n'aurait peut-être pas les problèmes Azerbaïdjan-Arménie, les problèmes à la frontière géorgienne, et bien évidemment les problèmes posés aujourd'hui par l'Ukraine. Mais avoir dit, dès lors que vous faisiez ce constat, en le regrettant peut-être, probablement, de l'absence de cette conférence internationale, ça n'était pas nier la souveraineté des pays concernés, puisque la Chine les a tout de suite reconnus. Alors ça, c'est mon point de vue hein, que je donne, et je crois que c'était également le vôtre, et cette polémique était assez indigne, j'ai trouvé. Mais la Russie, avant le processus déclenché le 24 février 2022, a proposé une conférence internationale de la sécurité en Europe, qu'il aurait été la moindre des choses d'accepter, pour discuter, pour s'affronter, pour ne pas passer des compromis éventuellement. Mais bon, malheureusement, et vous avez raison, aujourd'hui, les démarches pour la paix touchent à ses limites. On peut simplement espérer que les choses vont évoluer. Alors, j'avais une avant-dernière petite question par rapport à l'Afrique, où vous avez fait une grande partie de votre carrière, effectivement. La France entretient avec l'Afrique anciennement francophone un rapport particulier et se voit au fur et à mesure évincée, hein, le Mali, la République centrafricaine, le Burkina Faso, et la Chine est présentée comme un nouvel impérialiste qui vient s'installer en Chine et prend la place des Français. On reproche aussi à Wagner, hein, c'est-à-dire la société privée russe, de faire la même chose. Quelle est votre position sur l'Afrique et sur son développement ? Alors, avant de répondre à votre question sur l'Afrique, je veux encore dire quelques mots sur cette polémique il n'y a pas longtemps. Alors, je pense que c'était vraiment injuste de susciter cette polémique par ce journaliste de LCI, parce que c'était une interview que j'accorde à la télévision, donc sur cette plateforme. Je peux tout exprimer, mes points de vue, d'autant plus que ce que j'ai dit n'était pas une légende. Oui, ce n'était que mes points de vue personnels. Alors, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, on peut faire la discussion. Ils n'ont pas besoin de lancer un mouvement d'attaque contre moi, parce que je sais que le lendemain de cette émission, ils ont organisé ils ont fait une autre émission sur la même plateforme pour et appeler quelques prétendus experts sur la Chine pour me condamner, m'accuser. C'est pas honnête, n'est-ce pas? Donc je pense qu'ils ont déjà dépassé la déontologie du journalisme. Et on peut faire la discussion sur des problèmes historiques, sur des questions historiques sur l'Union soviétique, sur la dislocation de l'Union soviétique. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, n'est-ce pas? D'après la constitution de l'Union soviétique, il y a un article qui définit le départ des républiques participantes, mais il y a aussi d'autres articles qui définissent
que la souveraineté de l'Union soviétique prime sur la souveraineté des républiques participantes. D'ailleurs, il y a encore d'autres articles. Donc, si la question que je pose peut susciter l'intérêt des gens de faire la recherche historique, c'est bien, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas besoin de lancer une polémique contre moi. Et d'ailleurs, mon point de vue personnel n'empêche pas le gouvernement chinois a toujours des relations officielles avec ces pays anciens ex-républiques de l'Union soviétique. La Chine était le premier pays à nouer des relations diplomatiques avec ces pays-là. Donc cela ne contrevient pas à la politique officielle diplomatique de la Chine. Donc, on a monté cette affaire en épingle. Oui. Avec une mauvaise foi totale. Mais bon, c'est malheureusement, les médias français sont souvent coutumiers du fait. Et donc, voilà, c'est comme vous avez parlé aussi de la Crimée. Sur le plan juridique, lorsque l'Union soviétique se disloque, la Crimée réclame est indépendante. L'Ukraine l'annexe. Ensuite, la Crimée proclame à nouveau son indépendance par une délibération. Et à ce moment-là, mémorandum de Budapest, où on reconnaît les frontières de l'Ukraine, qui accepte de ne pas garder l'arme nucléaire, parce que c'était ça l'idée. Hein. Et à ce moment-là, au moment du mémorandum de Budapest, la Crimée ne fait pas partie de l'Ukraine. Deux mois plus tard, cette déclaration d'indépendance, la deuxième, hein, est abolie. Par les Criméens eux-mêmes, d'ailleurs, hein, je dirais que oui, il y a un problème. Il y a un problème avec la Crimée. Hein, autant se mettre autour d'une table et le régler comme cela doit être. Malheureusement, dans ces relations internationales avec cet hégémon qui s'est constitué après justement la dislocation de l'Union soviétique, les États-Unis se sont vus comme la puissance dominante du monde et qui devait le rester. Je crois que c'est ça. Ce sont mes analyses, Excellence. Donc, je pense qu'elles recoupent certaines des vôtres. C'est pourquoi je pense que dans cette polémique, le hic n'est pas que ce que je dis est vrai ou faux. Mais si on a la liberté d'expression dans un débat ouvert d'une télévision, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut sauvegarder la liberté d'expression dans les médias publics, dans l'opinion publique. Et surtout sur des problèmes internationaux, des points de vue différents ne font pas peur. Par exemple, sur cette crise ukrainienne, du côté des pays occidentaux et du côté russe, leurs points de vue sont contradictoires, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas un juge qui veut dire qui a la raison. Oui, maintenant, les pays occidentaux, parlent haut et fort de la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des pays. Mais avant, ce qu'ils ont fait, c'était tout à fait au contraire. Et même maintenant, dans un autre cas, par exemple dans le cas de la Serbie, le Kosovo, leur position est contraire. Et comment ils peuvent justifier leur position contraire, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas accuser gratuitement les autres.
on peut faire la discussion. Maintenant, je reviens sur le problème de l'Afrique. En effet, la Chine a beaucoup fait en Afrique, beaucoup fait pour aider les pays africains à se développer. Nous avons aidé les pays africains à construire des infrastructures, ce qui constitue la base de développement, l'environnement des investissements. Depuis l'an 2000, la Chine a déjà construit en Afrique 100 ports maritimes, 1000 ponts traversant les grandes rivières, 10 000 km de chemin de fer, 100 000 km de route et d'innombrables hôpitaux, d'écoles pour les pays africains. Alors, les pays africains, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent pour construire toutes ces infrastructures. La Chine leur prête de l'argent. C'est normal, n'est-ce pas? Et comment rembourser? La Chine dit que vous avez des ressources naturelles, nous en avons besoin. Donc, nous vous prêtons de l'argent, nous achetons votre ressource naturelle. Oui. Vous pouvez nous rembourser notre crédit, notre prêt avec cet argent du ressource naturelle. On n'a pas besoin de payer maintenant, mais après. C'est plutôt faire crédit aux pays africains. Et dans ce cas-là, les pays occidentaux nous accusent de faire des pièges, hein, de dettes aux pays africains. Oui, beaucoup de pays africains sont endettés, mais dans leurs dettes extérieures, la Chine représente seulement quelques 10%, au plus 15%. Le reste, ce sont des dettes dues aux pays occidentaux, que ce soit les institutions multilatérales ou des créanciers commerciaux privés. Mais ce sont tous des pays occidentaux. Ouais. Donc ce n'est pas la Chine qui a causé la crise de dette des pays africains. Mais maintenant, les pays occidentaux nous accusent de devoir assumer la responsabilité de cette crise de dette en Afrique et dans d'autres pays en développement. C'est pas juste. C'est pas juste. Et d'ailleurs, ce que fait la Chine maintenant est tout à fait différent de ce que faisaient les pays colonialistes en Afrique. À ce temps-là, dans le passé, les pays colonialistes occidentaux venaient en Afrique pour piller la richesse de ces pays-là. Ils n'ont rien fait pour développer ces pays-là. Donc pendant plus de 100 ans, même 200 ans, qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ces pays africains? Les pays africains restent toujours pauvres. Oui. Mais ce que font la Chine pendant seulement quelques décennies, les pays africains sont déjà munis de beaucoup de nouvelles infrastructures. Alors c'est nécessaire pour leur développement économique. Par exemple, dans des pays africains, au Kenya, la Chine a construit une ligne de chemin de fer de plus de 400 km. Ce projet, après être terminé, construit,
à contribuer à la croissance économique de ce pays à 1,5%. Ça veut dire à augmenter d'1,5% de PIB pour ce pays-là et à créer quelques 40 000 emplois dans ce pays et à raccourcir, comment dire, le temps de transport entre la capitale Nairobi à la ville portuaire Mombasa de beaucoup de temps, raccourci beaucoup de temps, à augmenter l'efficacité ou bien l'efficacité du transport de ce pays-là. C'est seulement un petit exemple. Oui. Donc la Chine n'est pas un nouveau impérialiste. La Chine est un ami et partenaire fidèle des pays africains. C'est pourquoi les pays africains ne font pas confiance aux allégations des pays occidentaux sur la Chine. Alors, je vais vous poser une dernière question difficile. C'est-à-dire que le mouvement qui s'est enclenché, l'accélération historique qui a suivi l'intervention russe du 24 février 2022, décrite par le président Xi Jinping comme un changement qu'on n'a pas connu depuis 100 ans, mais il y a donc une accélération de l'histoire tout à fait incontestable, qui voit que la multipolarité est en train de commencer à s'imposer sur son alternative qui est l'unipolarité, et beaucoup ont considéré qu'on était en face d'une rébellion du sud global, de la majorité mondiale, contre cette hégémonie. On ne veut plus vous obéir, la guerre en Ukraine, ce n'est pas notre affaire, hein. On préférerait bien évidemment la paix, mais on n'accepte plus cette globalisation qui était la forme, la forme moderne de la domination occidentale. Est-ce que ce mouvement, cette mutation, j'utilise le terme de révolution, hein. Lénine disait « La révolution, c'est quand le sommet ne peut plus et quand la base ne veut plus. » Alors, j'aime bien cette expression. Et donc, est-ce que cette révolution va pouvoir s'accomplir? Je crois qu'elle est commencée. Hein. Bon, je peux me tromper. Mais est-ce qu'elle va pouvoir s'accomplir sans un affrontement militaire majeur? Je m'en inquiète quand même un peu. Je voulais savoir quel était votre point de vue. Pessimiste ou optimiste? Oui. Effectivement, le monde d'aujourd'hui traverse un changement majeur, inédit depuis un siècle, on peut dire. C'est vraiment un grand changement. Et si on considère au niveau mondial, comme l'a dit Lénine, le sommet ne peut pas, ne peut plus, la base ne veut plus. Le sommet dans le monde, c'est quoi? C'est l'Occident. C'est G7. C'est les États-Unis qui a une hégémonie. Ils ne peuvent plus de maintenir leur hégémonie. Ce n'est pas une mauvaise chose pour le reste du monde, n'est-ce pas? Alors, on dit maintenant la démocratisation des relations internationales. C'est cette raison-là. Ouais. Il faut poursuivre une démocratisation des relations internationales dans laquelle tous les pays, grands ou petits, pauvres ou riches, puissants ou faibles, sont égales. Donc ça, c'est ça quoi aspirent les pays en développement, les pays faibles, les pays pauvres. La Chine est parmi ces pays en développement. La Chine reste toujours un pays membre
des pays en développement, même si elle est devenue déjà la deuxième économie du monde, mais nous considérons notre position reste toujours dans les pays en développement, parce que nous avons le même intérêt que les pays en développement de poursuivre, de lutter pour un ordre plus équitable, plus juste du monde. Et bien sûr, ce que nous poursuivons est à l'encontre des intérêts des États-Unis qui veulent rester toujours au sommet du monde. Ouais. Les États-Unis ont déclenché des guerres commerciales, scientifiques contre la Chine depuis quelques 5 ans, et ils veulent faire le découplage avec la Chine pour couper le processus du progrès économique, scientifique de la Chine, pour obliger la Chine de rester toujours au-dessous des États-Unis et des autres pays occidentaux. C'est pas juste, parce que le peuple chinois a le droit de poursuivre une meilleure vie, n'est-ce pas, d'avoir une meilleure vie. La Chine a le droit d'obtenir un développement meilleur. Et ce droit est souverain et légitime. C'est pourquoi il existe une contradiction, ou bien un conflit entre la Chine et les États-Unis. Même si la Chine n'a pas l'intention de défier la position de numéro 1 des États-Unis, mais ils considèrent que la Chine est leur menace principale. Ouais. Et en effet, ce que fait la Chine, c'est dans l'intérêt des autres pays en développement. Maintenant, on a créé une notion, Global South, le Sud global. C'est une notion un peu bizarre. C'est une notion un peu bizarre. Selon moi, je pense qu'ils veulent écarter la Chine de ce groupe du Sud global. Mais en effet, la Chine est partie intégrante de ce groupe du Sud global. Oui, donc la tentative réelle de créateur de cette notion du Sud global est de diviser la Chine des autres pays en développement. Parce qu'ils considèrent que la Chine est l'adversaire principal des États-Unis, n'est-ce pas? Ils veulent obtenir le soutien non seulement de leurs alliés occidentaux, mais aussi des autres pays en développement. C'est pas possible. C'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce sera probablement voué à l'échec. Espérons que ça ne débouchera pas sur des crises qui poseront la question de l'affrontement militaire. Je pense que les États-Unis, contrairement à ce qu'ils imaginent, n'ont plus, probablement, pour différentes raisons, n'ont plus les moyens d'être le gendarme du monde. Les moyens économiques, les moyens sociaux, les moyens culturels. C'est un pays qui est confronté à de graves difficultés. Et je pense qu'ils n'ont plus non plus les moyens nécessaires. Cela étant, c'est une analyse qui essaie d'être objective. Bon, on ne sait jamais qui est-ce qui sera celui qui aura la responsabilité d'appuyer sur le bouton. Hein, donc, bien évidemment, il faut rester extrêmement prudent.
Excellence, je vous remercie infiniment de cet entretien. Je crois que c'était très important que, alors y compris ceux qui nous suivent, que je connais un peu quand même, hein, de leur montrer un point de vue équilibré, de leur montrer effectivement ce que pense un pays comme la Chine, un pays important comme la Chine, sachant que, si vous voulez, pour moi, lorsque j'ai été en Chine, j'ai rencontré une grande civilisation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est pas la mienne, moi je suis une civilisation occidentale, hein, mais je vais rester sur une petite anecdote qui m'avait frappé sur, effectivement, ce chemin de la civilisation chinoise, de l'empire du milieu, dirigé par les fils du ciel, hein, j'utilise ces expressions parce qu'elles sont très poétiques, mais c'est que Platon, qui est le philosophe fondateur de la civilisation occidentale, était contemporain de Confucius. Pour moi, c'est un symbole extraordinaire, ça. Extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des civilisations différentes, mais il n'y a aucune raison de ne pas s'entendre, aucune raison de ne pas communiquer, et de ne pas apprendre aussi. Et en tout cas, moi, dans mes relations avec la Chine, c'est ce qui m'a très rapidement sauté aux yeux. Alors j'invite ceux qui nous regardent, si vous avez l'occasion, il faut aller visiter la Chine. Il faut aller visiter la Chine parce que c'est quand même exceptionnel. Voilà. Encore merci, Excellence. Je vous en prie. Oui. Et en effet, la civilisation traditionnelle de la Chine, comment dire, est toujours pour la poursuite de paix, de l'harmonie, de bons termes entre les hommes. Et nous sommes contre le conflit, la guerre, depuis toujours. C'est ce que préconisent le Confucius et les autres grands penseurs de l'Antiquité de la nation chinoise. C'est pourquoi maintenant, si dans le monde occidental, on exagère ou bien on dit toujours la possibilité de la menace de la Chine quand tel monde en puissance, c'est imaginaire, c'est pas réel, parce que dans le sang de la nation chinoise, il n'y a pas de gêne de bellicisme. Ouais. La Chine, la nation chinoise, est une nation pacifique. C'est une nation pacifique. Et je pense qu'on peut en être sûr. Ouais. Au moins, les pays en développement en sont sûrs, parce qu'ils ont déjà eu des expériences de coopération, de paix avec la Chine. Mais je pense que les pays occidentaux doivent avoir cette confiance, parce que jusqu'à maintenant, au moins avec l'Europe, on n'a que la coopération entre la Chine et les pays européens. On n'a pas de conflit, on n'a pas de guerre. Ouais. Et pourquoi l'Europe considère encore la Chine comme un rival systémique, oui, à l'image des États-Unis, n'est-ce pas? C'est pas la peine. Excellence, on va encore une fois de plus vous remercier, et surtout de ces paroles d'apaisement, hein, donc, qui vont peut-être nous rendre un petit peu optimistes, mais prudents. Hein, y a la fameuse expression, que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, hein, latine, si vis pacem, parabellum, c'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais j'incite aussi à la lecture de Sun Tzu, qui, de l'art de la guerre, mais qui est extrêmement intéressant, justement pour montrer que l'affrontement brutal n'est jamais recherché. Ça, c'est, on le voit dans cet ouvrage, qui n'est pas très long en plus, hein, donc il a le mérite d'être facilement lu. Oui, Sun Tzu a beaucoup d'expression sur la paix et la guerre, qui est très, très sage. Et je me rappelle une phrase de Marquis
machiavélique, Machiavel, qui dit on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Absolument. Maintenant, c'est que on ne peut pas encore terminer la guerre. Les pays européens, les membres de l'OTAN, la Russie, l'Ukraine. Mais j'espère qu'ils peuvent le plus tôt possible terminer cette guerre. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.